Nous y sommes. Allez-y, boulet, appelez votre témoin. Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice Salut aujourd'hui. La deuxième partie de l'épisode 1 de Phoenix Wright Trial Tribulation. J'aurais imaginé qu'il y aurait eu une petite scénette pendant la pause, mais je pense qu'on y a déjà eu droit. Donc on y croit, j'y crois à mort. Le deuxième, c'est le coupable, c'est la règle dans tous les Phoenix Wright, dans tous les épisodes 1. Donc c'est Plantule, c'est ça? Dahlia Plantule. Alors, voyons voir ce personne. Oh, c'est beau. Oh, c'est cette musique des personnages. C'est magnifique. Ah oui. Ah oui, elle est tellement sincère. Il y a des papillons, les mecs. Elle peut être que sincère. Alors. Calme-toi, le juge. Calme-toi. Ok, ça va pas le faire. On se chauffe. On remue les épaules. On sort, on fait des étirements avec le doigt. On fait quelques inspirations et expirations. On se chauffe la voix. Et on est prêt à gueuler. Ok? Chaud. Chaud, chaud. Je me disais aussi, il avait pas une tête de S. Mais plus une tête de bac pro botanique. Ça commence. Je déteste ce genre de choses. Oui. Fini. Attends. Prononciation anglaise. C'est fini. En français, c'est funny. J'aime ça. Ah vas-y, ah, je suis chaud. Alors, ça se tient pour le moment. Et ça... Oh, ça y est. Oui, c'est Patrick. Il manque un passage. T'es en train de me dire que le mec était debout et que d'un seul coup, Esbla est tombé. Mais genre d'un coup. Calme-toi, boulet. Je gueule. C'est pour ça qu'on chauffe la voix. Ouais, je veux qu'on t'interroge, s'il te plaît-il. Parce que moi je suis sérieux, moi je suis dans le serious game. Ah genre elle connaît Mia. Genre elle me connaît. C'était quand? C'est sans doute cette affaire il y a 8 mois. Que nous allons sans doute découvrir à la fin du procès. Hey, madame, c'est une marque de respect. S'il te plaît. Moi, quand on m'appelle monsieur... Ah, mais il y a du respect qui s'en découle. Alors, ce que tu as vu... On s'en fout. On s'en fout. Alors, un instant. Voilà, toute seule, je doute. Ah, y a faute.
Mais voyons, tu as ceci. Non, pas ça. Merde. J'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Alors, meurtre au tribunal. Très peu d'informations filtrant à l'heure actuelle, mais il semblerait que la victime d'un incident survenu hier dans la cafétéria du palais de justice soit un avocat. À la police interroge en ce moment une étudiante de 10 ans qui se trouvait à... Bon, on va pas se mentir, hein. On sait tout ce qu'il sait. Mais moi je cherche le témoignage de Phoenix, mais le vrai témoignage, s'il te plaît. Mais on montre la contradiction. Ah, la faute. Ah, elle a changé. Non mais s'il te plaît, Boulet, pour moi ça s'est passé il y a 2 jours, mais pour toi ça s'est passé il y a 5 minutes. S'il te plaît, réfléchis. Merde. Cette inflexibilité de Mia. Ce regard perçant. Voilà, en plus. Alors là, en fait, je suis en train de m'enfoncer, techniquement. Là, techniquement, je suis en train de m'enfoncer dans des sables mouvants, qui étaient déjà bien mouvants, à la base. Ah, c'est bien. On pas touche plus. Je n'ai pas vu le moment où il a poussé. Ah, la contradiction. S'il te plaît. Non mais il te fout pas de ma gueule. Tu as dit il y a 5, même pas 5 minutes, 2 minutes que tu ne les as pas quittés les yeux. Je veux même pas chercher à attaquer. Eh, prends non, pas prendre. Prends ça. Oui, bien sûr. Objection. Et bam. Musique qui s'arrête. Faute. Moi j'attends toujours le Pressing Pursuit. Que je n'ai pas encore écouté. Moi je veux le vrai Pressing Pursuit. Je veux un truc qui déchire sa mère. S'il te plaît. Ah, il a dit ça et j'ai la preuve. Alors ça, c'est pas du tout le Pressing Pursuit, c'est autre chose. Oh, ah, est-ce que j'ai cru voir un semblant de breakdown? Ce serait cool. Qu'est-ce que tu vas faire, Boulet? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, dis-moi. Si tu veux. Je note ça. L'asphalte. Attends, on avait pas fini de prendre la terre, boss. C'est qui? Ah, attends, oula, oh putain. Oui, oula. Ah, oh, putain. Ah, ça fait mal, la littérature. Ça fait mal. Quoi? Merde, Attends. Elle a entendu, ok? Elle écoutait de la musique. Il y avait des éclairs. Mais il n'y a jamais eu d'éclairs! Il y a juste eu de la pluie! Bon, c'est sûr, oui. Alors là, je pose ma manette et il faut qu'on parle sérieusement. La probabilité
qu'une personne se fasse toucher par la foudre sans être sous un arbre ou quoi qu'est-ce est extrêmement faible. Mais vraiment très très faible. Mais nous sommes dans un jeu tout est possible. C'est le jeu de la vie à chaque fois. Je sais pas dans quoi on s'engage, mais on y va. Les yeux fermés, à pieds joints, dans un sac. Ouais, moi aussi je voulais que ça se finisse, mais ça fait que 12 minutes. Hein. Mais j'ai une opinion médiocre de toi depuis le 1 en fait. T'es en train de contredire la contradiction. Ah, ça fait mal dans ma tête. Mais comment? Ah, c'est laquelle? C'est de qui? Oh les petits salauds, je vais les défoncer. Alors vas-y. Retenons là. Vers 15h, il y a une coupure de courant dans tous les labos. Ça se tient. Tous les appareils des labos fonctionnent sous haute tension, on le sait. Pour l'instant, ça se tient. Parce que le câble a été sectionné. Et bizarrement, à 15h, eh ben, il était mort. Oh là là. Oui, bien sûr, il était assez con pour la toucher, hein, c'est sûr. Je retiens. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc du coup, réflexion. Bien. Qu'est-ce qui aurait pu être à l'origine de coupure de câble? Il faut réfléchir. Allez, là, sur cette photo. Rien sur cette photo de Méloc. Non mais respecte-moi, on l'a trouvé près du pylône. Putain, on l'a trouvé près du pylône, sac à merde. Si je dois tout... Attends. Non, quand même, oui, non, ça m'aurait étonné aussi que Fallout soit trop con pour balancer quelqu'un sur un pylône. Bon, on va réfléchir. Non, c'est pas la première fois. Réfléchis, sac à merde.
Et n'empêche, c'était plausible, trouvé près d'un pylône. Je pense que je vais piffer en fait. Bon. C'est pas vrai. Le pif marche du premier coup. Alors. Non, il est pas trop. Il est pas aussi con pour jeter quelqu'un sur un pylône. Ah, c'est ça. Ah, la réflexion n'était pas présente. C'est... Donc il est assez con pour projeter quelqu'un sur le pylône. Il y a une faute. Le câble il est sectionné. Ça voudrait dire... Je dis... Non. Autrement dit, il y a faux. Ah mon Dieu. C'est la merde. Bah oui, j'ai raison. Je vais te défoncer. Je vais tellement te défoncer, toi. Ah ouais. Ah ouais. Allez, une seule fois. Fais-moi un joli bout down. Que je puisse me marrer, que je puisse avoir ma musique. Il y a un truc qui me chiffonne là. Alors je me souviens pas du tout de son témoignage, mais j'ai vu par le dos. Non, il y a un truc qui va pas. Non, il y a quelque chose qui non. Non, il y a un truc là. Non. C'est... Alors, fait le film pousser deux fois. Bon, je m'en fous. La première fois contre le poteau, le gars en plus, ça tient. Oui. Voilà, alors ça, il va falloir que je comprenne. Allez, boulet. Quoi? Heurter le dos. Alors, réfléchissons une seconde ensemble. S'il avait heurté le dos, la victime électrocutée soit serait de ce côté mais sur le dos, soit sur le ventre mais de l'autre côté. Donc là, il y a faute. Je me suis raté. J'ai honte. J'ai tellement honte.
J'ai honte là. J'ai tellement fait de la merde. Ok, on va tout attaquer. Oh, la menthe, c'est vilain. C'est pièce d'or et un sandwich au poulet qui dit oui. Magnifique animation des mains. C'est un sourire crispé que je fais actuellement. Jusque là, oui. Ben voyons. Ah ouais, mais en fait, Phoenix Wright, tu vois, il y a une force cachée. C'est un putain de combattant. Bah si, t'as pas réagi. Elle a pas réagi. Quoi? Les encourager à quoi faire? Se battre à mort? Ok. Là, faut que je réfléchisse. Oui. Réfléchissons, réfléchis. Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut m'être utile? Forcément un truc que j'ai passé. Non, ça peut pas être ça. Je l'ai attaqué cette phrase? Oui. Ouais. Quelque chose que j'ai passé, quelque chose que j'ai passé. Qu'est-ce que j'ai passé? Thank you.
non, 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 non. Non, mais... C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ça énerve. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je réfléchisse. Ça va prendre un gros moment. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon. C'est cette phrase. Je suis sûr que... Oh, wait. Attends. Ça doit se jouer sur la coupure de courant. À 15h, à 14h55, il y a eu la coupure de courant. La montre de Pat a été cassée à cause d'un choc. Si c'est ça, si c'est ça. Putain, c'était ça. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Je vais la frapper. Putain, non. Je sais pas quoi faire là. Sac à merde. Je suis un sac à merde, putain. C'était devant moi, putain. Réfléchis deux secondes. Réfléchis deux secondes, le juste, s'il te plaît. Allez, vas-y. S'échauffe. Voilà. Maintenant, on va jouer. C'est maintenant que ça commence. Oui. Facile, mon gars. Oui. Ouais. Allez. J'y crois à mort. Easy shit. Prends ça. Fais-moi un joli breakdown, s'il te plaît. Comment j'ose? Parce qu'il y a une preuve qui m'interloque depuis plusieurs minutes. Qui m'interloque. J'ai fait une faute de français. Comment? Facile. Ah oui, facile. Easy shit, mec. Ah, oh, j'ai eu un mini breakdown. C'est con. Comment? J'ai des preuves. J'ai des preuves, moi. Chut, chut, chut. Merci, Wright. Salut. Putain, il est toujours en remis, salaud. T'as envie que je t'en foute des claques? Je vais te mettre des claques.
Ah bon? Ok. Vas-y, dis-moi pourquoi. Bon bah il s'est barré, c'est déjà ça. Ah, Rosenberg, c'est vrai. T'étais parti, je sais plus où, cafétéria. Est-ce dis-moi que t'as trouvé des choses. Génial, mec. Falloir que je lise. Alors, attends, juste, je prends deux secondes pour le lire. Alors, vérifie. Alors, le cafétéria. Alors, 27 août, 16h, Diego Armando, avocat. Suspect, dit la pointure. Alors, Armando a géré un poison alors qu'elle interrogeait le suspect à propos d'une autre affaire. Des traces de poison ont été découvertes dans le café de la victime. Aucun poison n'a été trouvé sur le suspect ni à proximité. On ne sait pas comment le poison s'est retrouvé dans la tasse de la victime. Waouh! A ingéré un poison. Attends, il y a que deux pages. Ok! Je crois que j'ai trouvé. Oh! Accusation très grave, s'il te plaît. T'accuses un mec sans preuve? Tu veux reparler? Elle veut reparler. Je sais tu bien sûr. Ouais. Je dis haut et fort. J'ai pas de haut-parleur, c'est dommage. Mais j'aurais pu le dire. Encore plus haut et fort. Boulet, s'il te plaît. Oh, il y a eu un sniff. Oh, le poison. Je te tiens. Je sais comment il était versé. C'est con. Mais c'est comme ça. J'ai trouvé. Il y a 8 mois. Et le même jour, ils se sont rencontrés dans un accident. Enfin, accidentellement. Ouais. J'ai tout compris. Je suis trop fort. Je vais te le dire. Calme-toi. Mais c'est faux. Merci. C'est le procès de ta vie. Ah, une musique d'interrogatoire qui change un petit peu. Là, on sent qu'on est sur la fin. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Putain, y a pas ce que je veux là-dedans. Parce que je veux là-dedans. Voilà que j'attaque. Waouh. Chopé là. Ah vache mec. Tu te respectais pas à l'époque. Là je veux attaquer partout. Y'a pas ce que je veux. Te fous pas de ma gueule. C'est un peu le cas. C'est le cas. Mec, s'il te plaît. Le grand Eugenie. Tu faisais quoi dans cette salle de lecture? La salle de lecture, hein. Étrange. Je sais.
Oh putain meuf, stop, respecte-toi, tu viens de dire pourquoi? Littérature, lecture, hein. Attention. J'insiste. Évidemment que c'est important. Allez, sors-moi ce que je veux entendre. Sors-moi ce que je veux entendre, s'il te plaît. Allez. Merde. Pas ce que je veux entendre. Le scénario moderne. Ouais. Je cherche. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Cafétéria, mais j'ai pas de plan. C'est ça, j'ai pas de plan. J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a un truc que j'ai oublié. C'est pas possible autrement. Cafétéria. Est-ce que la cafétéria et cette lecture sont reliées? Ok, là il faut que je fasse tout. Il faut que je fasse tout. Non mais boulet. Je sais. Arrête de me... Oh putain. Alors, c'est le destin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quelque chose qui colle pas, réfléchis. On s'en fout de ta fin. Je sais pas s'il doit le prendre bien. Oh merde! Oh le con! Oh le sac à merde! Oh le con! Les mecs! Putain! C'était ça! Ça va chier! Objection! Putain, c'est le sac à merde! C'était pour ça! Je me sens con. Je me sens vraiment con à cet instant. Ça doit faire plus de deux minutes que vous êtes sur le trouver. Et que vous me gueulez dessus. Je suis con. Oh, putain de merde. Ok, là c'est bon. Là je pense qu'on peut créer une corrélation avec tous ces événements. Allez. C'est bon. Plus d'erreurs. Ça le fait. C'est ce qu'on croit. Ah, ça y est. Ça commence.
J'ai trouvé le lien, t'en fais pas. Moi je sais, c'est ton cul. Parce que là, c'est fini. Je sais exactement ce qui s'est passé il y a 8 mois. Facile. Ta dernière phrase. C'est ta dernière phrase qui m'emmerde. Parce que j'ai des colloles. Enfin, Mia n'en a. Enfin, c'est... Tu m'as compris, quoi. Si tu m'as compris, obligatoirement. Blabla. Alors. J'aime bien cette musique. Non. Déjà, savoir ça. Tu m'expliques comment tu le sais. Précisément. Non. F, s'il te plaît. Très bien. Dis-moi, Dahlia, est-ce que tu sais ce que c'est, ceci ? C'est pas ça. Merde ! Merde, la coloration est fausse ! C'est la... C'est la connerie du monde. Ah, j'étais sûr, je suis sûr que ce que il y a un truc. Alors, attends, on va revenir en arrière, on va... Attends. Réfléchis, bordel de merde! Non. Non. Quand même pas. S'il te plaît, dis-moi que c'est faux, dis-moi que c'est faux, dis-moi que c'est faux. Non, non, non. C'est... Je le crois pas. J'ai juste envie de lâcher ma manette là. Je le crois pas. Ça s'est passé comme ça. Sur le coup, ça semblait évident. Mais j'ai mis. Attends, mais je mets du temps là. Il y a un truc qui a pas, je mets du temps. Self-pulsing course. Il est extrêmement moche. Non, il est moche. Allez, breakdown, s'il te plaît. Non, ça, j'aime pas ce pulsing pursuit, il est un peu nul.
Y a pas d'objection qui tient. Je te fais un doigt. Et c'est là que ça a servi. C'est ça. Putain, je le savais. Spam le bouton. Je sais. Je l'ai, la preuve. Spam le bouton. C'était ça depuis le début. Prends ça. Tiens, à vous. Non, quoi encore? Non. Quel dommage. Un cadeau. Crac. Et ouais. Enfin, on peut trouver des traces de poison, mais il y a du poison dedans. C'est fini. Objection. Oh, c'est pas vrai. Non, des baffes. Chut, doigt sur ta bouche. Doigt sur ta bouche, putain. Mec, on a la preuve formelle qu'elle t'a manipulé. J'en crois pas un mot. Zéro. Que dalle, tu vois. Je te fais un doigt. Ça remonte, hein, n'est-ce pas? On se sent vieux, je le juge. Allez. Réfléchis. Réfléchis un instant. Oui. Ça y est, c'est le bordel dans la salle. Génial. Mais il n'est pas accusé, merde. Calmez-vous. Il n'est pas là. Ah, ok, c'est bon, on se calme. Bordel de merde.
Tu m'étonnes. Entre les mecs qui jettent leur perruque, ceux qui s'étranglent, ceux qui reçoivent la foudre dans un bâtiment fermé en plus de l'extérieur. Franchement, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un dès à l'heure pleurant. C'est spectaculaire. Tu l'as fait. Attends, dis-moi ce que t'en as fait. Dis-moi ce que t'en as fait. Non, 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 non. Oh, attention. Non. Non, allez. Je lâche mon casque, je vais me barrer. Je crois que je vais faire ça. Bon, bah, il va. Bon, eh bien, c'est la fin de Phoenix Wright. Phoenix va décéder dans sa chiasse. Bon, les enfants, qu'on soit d'accord sur une chose, l'amour vous fait faire n'importe quoi, mais essayez d'avoir un minimum de réflexion, s'il vous plaît. Boulet. Alors si tu veux, j'ai une autre preuve, mais une vraie cette fois. Mais je le sais, ça, ça fait bah, depuis deux épisodes que je le sais. Bon, est-ce que le Deus Ex Machina va être voilà. Deus Ex Machina, c'est trop bien. Hein. C'est pas qu'une impression, je te rassure. Tu me laisses tomber. Comme une énorme. S'il a gardé le flacon, je le tue. Ah, non. Et si on le reprend une voix calme et pour une narration. Cette fille-là, je te déconseille. Je te conseille de ne plus la voir. Hein ? Mêle-toi de tes oignons. Un jour, tu en me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai. Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu penses. Hier soir, quelqu'un a envoyé du poison dans notre labo. Du poison ? La même chose qu'il y a 8 mois. Un échantillon de médicaments a disparu du labo. Ce jour-là aussi, elle est passée au labo. Ça ne peut être qu'elle. Cette fille est une voleuse. Arrête ! Ne parle plus d'elle. Comme ça, et bam, Dragon Punch. Bon, je pense que là, franchement, s'il y a encore une phase, interrogatoire, c'est que le juge est con. Non, laisse-le parler. Chut, chut.
Boulet, 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 chut. Oh non. Oh putain. Ouais, me dites-moi que j'ai tort. Oui. Oui, à cause de ta connerie. Montrer le pendotif à tout le monde, c'était pas la meilleure idée. Non, non, non. Je lui arracherai les ongles à la cuillère. C'était évident. C'était évident, le mec. Je le savais depuis le début, mais... Je l'ai présenté à un mauvais moment. Hop, flashback pixelisé. Si, bah si. Évidemment, si Wright a montré un policier. Ça aurait pu compliquer les choses. Si, ah bah si. S'il te plaît. Ah, ça y est. Voilà, la voilà. C'est véritable apparence. Bah ouais, c'est con mais c'est comme ça. Tu as perdu. Fermer la fenêtre, empêcher ce papillon de venir. C'est sans aucune preuve qu'on a accusé Wright au début, je te rappelle. Et qu'on accuse tout le monde au début. Oh, c'est beau. Attends, ce plan. C'est magnifique. Ce contraste sur le visage. Cette ombre. C'est beau. Et elle disparaît. Oui, pardon, excusez-moi. C'est quoi? Excuse-moi, c'est quoi? Pardon. Ah! Wow, 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 wow! Est-ce que c'est scripté? Si c'est scripté, tant mieux. Si c'est pas scripté, je suis dans le cas.
Si c'est ça. Si c'est ça. Putain, je... Les mecs, c'était évident. C'était franchement évident. Bon, là, je vous l'avoue, il n'y avait pas trop de cogitation à faire. Et là, le breakdown, enfin, le pressing pursuit est adapté. C'est cool, vers midi, il déjeunait avec Oli. Alors, ce que vous entendez, c'est le micro fait de la merde. Voilà. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu, qu'est-ce que me tape sur ma tête. C'est génial. Y'a pas d'objection, mec. Je demande une confirmation de la police. T'es con, Boulet. Réfléchis deux secondes. Pourquoi Oméo tenait, entre guillemets, ce flacon? Oui, il y a 8 mois. Mec. Ah, pauvre Patrick. Mort en étant complice. Sans en être... Oh putain. Sans ne l'avoir voulu être. Ça doit faire mal à la tête de dire ça. Et la salle se tue. Et respecta mon autorité. Alors, est-ce que j'ai raison? C'est la question. Alors, dans ce cas, deux choses. Moi, je vous dis deux choses. Un, on relève tes empreintes sur le flacon. Deux, on amène ça à la police scientifique, voir s'il trouve du poison dans le flacon. Injection. Tu veux essayer? Allez. Allez, fais-moi plaisir. Ah. C'est le breakdown. Elle a quand même réussi à voir des papillons avec son regard. Pour l'instant. Cliffhanger pour l'épisode 2. Ou l'épisode 4, voire même le 5 peut-être. Disparition ninja? Non. Elle garde un calme qui fait peur. Un boulet, ta gueule.
Et après on se demande encore comment il fait pour être dans les autres volets. Et moi je suis mis à faillir et je t'ai battu. Je vais peut-être essayer. Objection. Ah, je le savais. Et ce blanc. Et c'est le deuxième breakdown. Alors ça c'est magnifique par contre. Le fait qu'il y ait un breakdown pour Boulet, je trouve ça de toute beauté. Là on voit le travail qui a été fait pour ce troisième épisode. Et même le sprite est conservé. C'est beau. Ça fait plus d'une heure que je suis là-dessus. Je sais pas, alors ça c'est, ça enlève du background, tu te débrouilles avec elle. C'est vrai que c'est une honte, mais dans un sens, ça fait partie de l'évolution de la vie. Bon. Mec. Non mais mec. S'il te plaît, respecte-toi. Ah, vas-y. Ça fait une heure que j'attends. Non. Coupable. Confetti. Youhou. Joie, bonheur, volupté. Il est libre. Trop de joie dans ma voix. Oh, c'est pas trop tôt. Alors moi j'avais une autre preuve en fait, c'est parce que si vous regardez la photo numéro 1 de la scène de crime, il y a une... C'est con quand même, mais en vrai ça aurait pas été vrai, mais il y a une fleur près du corps. Alors, sur le coup, je me suis dit, ça appartient à Daila, mais en fait, ça peut aussi bien appartenir à Paul, vu qu'il est en pharmacologie, et qu'en pharmacologie, bah, on utilise souvent des fleurs pour créer les choses. Ah, ça aurait dû. Ah, j'avais oublié l'autre. Bon, t'es triste. Tu crois? Il va falloir des baffes, une cure. Y'a pas de mais déjà tu vas guérir. T'es sûr? Oh non. Ah c'est pour ça, d'accord. Ok, et là, il va demander à Mia de devenir son élève. D'accord. Donc là, là faut revenir à la première affaire du 1. Et là on revient dans le présent. Alors, j'ai été lavé de tout soupçon il y a 5 ans.
suis devenu avocat comme je l'avais prévu, et j'ai réussi à sauver mon avis. À voir le premier épisode. Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. À voir le second épisode. Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux. Mais il en réveille aussi de très précieux. Des souvenirs que je ne pensais pas voir ressurgir un jour. Mia nous a quittés. Et pourtant, ces paroles continuent de résonner dans ma tête. Cinq longues années. Certains événements m'ont fait repenser aux sages conseils qu'elle m'avait prodigués. Mais ceci est une autre histoire. Fin de l'épisode. Oh ouais. Belle, 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 la volte à face d'aller. Wouhou. Bah on va s'arrêter là. Ah, que l'émotion, que le souvenir. Ah là là. Bon, alors, je pense que il y a des choses à dire là-dessus. Je vais prendre 5 petites minutes, donc vous pouvez arrêter la vidéo ici si vous voulez. Je vais prendre 5 minutes pour donner mon avis. Le premier épisode reprend le second. Il se déroule en deux temps sur deux phases de procès. Ça va. Les musiques sont bonnes. J'aime pas vraiment le pressing pursuit, mais ça reste mon avis. Après, je veux dire que la difficulté au fil des contre-interrogatoires devient pour le début exponentielle, c'est-à-dire que ça devient doucement plus difficile. Mais je pense qu'il y a un moment où je me suis raté. Alors soit c'est augmenté d'un coup, soit c'est moi qui étais totalement une grosse tanche. Et j'ai fait de la merde. Mais il est bon. Il est bien. J'aime beaucoup. Je pense que la suite sera encore meilleure. Enfin, pas meilleure, mais mieux que les autres. Déjà que les autres étaient déjà bien bourrés d'histoires et de révélations incroyables. On apprend des choses, déjà. On apprend aussi que je suis une grosse bite. Parce que je ne sais pas réfléchir. Mais bon. Si je me base juste sur cet épisode, je pense que il est très bon et que je vous recommande d'y jouer. C'est tout. Vous essayez de le trouver. Alors, je pense que en physique, en boîte, manuel, ça doit être assez cher. Ça doit être autour, allez, si je dis pas de bêtises, vers les 20-25 euros. Ou alors, vous faites comme la méthode de gitan forain, vous trouvez une ROM et puis vous y jouez. Je pense que cette méthode est un peu la meilleure, mais après, il faut avoir un bon émulateur. Je pense que vous prenez Desmond et puis voilà. Bien, j'ai donné mon avis qui aura duré 2 minutes, qui aura été sans doute très constructif. Merci à tous d'avoir suivi cette fin d'épisode 1 en ma compagnie. J'espère que cela vous aura plu. Tout le blabla habituel, tout ce qui est là, commentaire, abonnement, tout ça. Je vous souhaite un bon jeu. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de Trials and Tribulations.